5, 4, 3, 2, 1, go! Et toi, c'est notre dernier jour. Aujourd'hui, on va défendre notre position. C'est la meilleure chose qu'il ait dit depuis le début de rallye. Je suis tellement soulagé de ne pas me réveiller déjà en tant que chasseur. Bon les papis, c'est quoi l'objectif aujourd'hui là? Dernier jour, dernière étape. C'est pour ça que je fais mes devoirs. 6h15, le stylo, le cahier. On a 7 étapes qui nous restent à faire. C'est un mélange de tout ça. On est dans les dunes niveau 2 et 3. C'est-à-dire que c'est les dunes un petit peu technique, mais on a eu la pluie. C'est-à-dire que les dunes portent un petit peu mieux. Pour mettre la gomme, de toute façon. Notre but, c'était d'arriver en 10e place. Ouais, on a revu nos objectifs, mais c'est vrai que c'était un peu osé quand on était 27e ou 32e d'imaginer qu'on allait pouvoir revenir dans les 10. C'est une belle performance quand même, faut le dire. C'est fat. Excel fat. Bueno. Putain. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Putain. On doit être des chasseurs intelligents aujourd'hui. Là, c'est pour toi, ça. Hein. Là, ils t'ont applaudi parce qu'ils savent très bien que pour un débutant, être 5e voiture sur la ligne de départ, c'est pas normal. Hein. Mais il n'y a pas grand chose qui est normal avec toi. Hein? Oh non, mais là on va faire une belle étape. Ouais. Puis on va faire. Faut qu'on vise la propreté là. Ouais. Tac, tac, tac. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et go. Danger 2, dune cassant, cap 136. Et d'une niveau 3 mauvaise. Donc 600 mètres, cap 78. 400 mètres, cap 78. 78 et prochaine note c'est 3 km, c'est le changement de cap. C'est encore un peu haut en pression, je descends. Point à droite, voilà, c'est bon. Ça, c'est nickel. On chasse. Cap 78 tout le temps. On est dans combien de temps là au point? 400 mètres. Tout droit devant nous. Là, c'est bon, on part sur cap 253. Et dans là, 200 mètres, cap 266. Ici, cap 266. On n'est pas dans la bonne vallée. C'est bon, on est 256. Non, mais on a loupé le waypoint. Non, mais on est. Regarde, écoute-moi. Ouais. Mais t'as. Non, réduit. On n'a pas le waypoint là? Non, pas encore. Là, on est bon.
Il est lent, les chemins, il est en haut. Ouais, mais c'est... Ouais. Dans les dunes, c'est excuse-moi, bien. Mais je regarde juste que tu ne fais pas les mêmes erreurs qu'avant. La prochaine note, c'est... On est sur la piste, on va faire Y gauche, cap 146. Ça, ça se passe. Cap 146. Ouais, nickel. Dans 200 mètres, on va faire à droite, cap 55. Ici, cap 55. Et à 200 mètres, cap 67. Ouais. 55, 67. Regarde bien, cap 67. Ouais. Et la prochaine note, c'est 1 km. On passe juste entre les petites collines comme ça. Qu'est-ce qu'on a comme pression ? C'est niaisé 3. Pardon. On a 1-7. Ok. On peut mettre un peu 100 plus. Mètres. Quand t'as le temps. 1-8. Voilà, étroite. Et puis, 100 mètres, qui pisse droite, cap 258. Ici, cap 258. Et dune, niveau 1. De tu peux dégonfler. Niveau 2. Tu dégonfles ? Ouais. Tu veux combien de pression ? Un 3. Ok. Mais un 2. Ah, on sort, c'est bon. C'est bon ? Ouais, dégonfle pas, ouais. Regonfle. Je regonfle, vas-y, tu me donnes moi les directions. Ouais, c'est un changement de cap. Je suis un peu à droite. Ouais, moi je regarde pas, c'est à toi maintenant, ouais, je te donne les informations. Waypoint ouvert devant toi, cap 64. Tu veux dire quoi ? Non, je veux savoir si on quitte les dunes. Non, pour moi, je vois qu'on reste encore un peu dans les dunes. Ok, on reste comme ça alors. Et voilà. Voilà. Mike, merci pour la balade. Hein. Ouais, merci à toi. Bravo, t'as bien roulé. Ah oh ouais, on a parti. Cinquième, on est arrivé quatrième. Vous avez gardé votre place. On a gardé notre place. Dixième au général. Ouais, dixième. Incroyable. Bien roulé. J'espère que la balade vous a plu, les petits cocos là. Ouais. Bien roulé, hein. Ouais, et il nous manque encore quelques minutes là. On finit 4 minutes devant le vainqueur de l'étape. Mike rage, mais bon, on est quand même dans les 4-5 meilleurs du rallye. Donc, bah ouais. Donc non, belle satisfaction. On a essayé de mettre du rythme toute la matinée. Là. On a réussi, pas partout, mais on a quand même réussi. Ouais. Voilà, c'est déjà la fin. On vient de commencer et puis maintenant, on est de nouveau à Jeddah, où on a commencé. Ça fait déjà 12 jours, 12 étapes. C'est un grand apprentissage pour moi. J'ai jamais été dans une voiture aussi vite. Pour moi, les premiers 4-5 jours étaient un peu difficiles. Et puis après, gentiment, j'ai pris un petit peu plus de confiance et puis j'ai commencé à donner des notes plus ou moins correctes. Non, le bilan est très positif, très très positif. On est parmi les 4-5 meilleurs pilotes au monde ou meilleurs équipages au monde alors qu'il vient de commencer. Donc c'était une super expérience pour moi avec une vraie volonté derrière d'emmagasiner
des infos dans notre voiture. Donc, une vraie bonne raison de foncer toute la journée à tes côtés, Mike. Merci. Non, merci à toi pour cette expérience. C'est vraiment l'aventure. En plus, ici, avec une voiture qui pouvait nous donner des données que la prochaine Dakar, on peut participer dans une voiture beaucoup plus propre, une voiture en hydrogène. Puis c'était pour ça qu'on était vraiment là. C'est sûr qu'on aime la compétition, c'est sûr qu'on veut arriver sur un podium. Et la meilleure place qu'on a fait, c'était aujourd'hui, c'était la 4e position. Mais voilà, ce Dakar est fini, un 21e pour moi. Et honnêtement, mon sentiment, est, avec pas mal d'émotions à la fin, c'était de se dire que quand on a franchi la ligne d'arrivée et que j'ai baissé le contact de la voiture et on a éteint notre voiture, c'était le début d'une nouvelle ère de cette voiture Gen Z qui va dans quelques mois voir le jour, et une voiture silencieuse, propre, pour participer à la course qui m'a tout donné. Le Dakar m'a tout donné, des podiums, des joies, des peines. Mais je suis un passionné de désert, de compétition, de motorsport, je l'avoue. Mais ce n'est pas pour ça que je veux participer et faire ce Dakar dans les mêmes conditions que ces 21 dernières participations. Là, ça sera vraiment quelque chose de nouveau qui démarre, et j'ai super hâte d'y être. Et merci à tout le monde qui a suivi cette aventure. On était très peu critiqués et puis ça m'a fait chaud au cœur. On est là pour évoluer, on est là pour changer des choses. Et puis quand on sent qu'il y a un soutien, c'est là où on peut vraiment changer les choses. On a besoin des gens derrière nous. Merci beaucoup. Merci à tous, merci. On fait notre check. Boum, boum, boum. Ciao, ciao, ciao. Ciao alors.